chers amis. J'avais un beau discours, je préfère improviser quelques paroles plus personnelles. Déjà pour saluer la présence d'Anne Hidalgo avec un certain nombre de ses adjoints, je vais en dire quelques mots ensuite. Et puis saluer évidemment la CEMAPA qui a aménagé tout ce secteur avec sa directrice générale, avec plusieurs personnes de la CEMAPA qui sont présents, la DEV et le service aménagement qui a beaucoup donné pour ce jardin. Merci beaucoup. Je vais aussi dire quelques mots. D'abord, merci Jérôme pour tes paroles chaleureuses. J'ai vraiment choisi de venir. Alors, il a insisté, c'est vrai, mais pas tant que ça, puisque j'ai dit tout de suite oui à sa proposition de venir pour vraiment la première inauguration de cette mandature qui s'ouvre, de venir ici dans le 13e. Jérôme Coumet l'a dit, d'abord, c'est un maire exemplaire, c'est un maire qui est auprès des habitants et ça se voit. Je pense qu'on apprend beaucoup à son contact. Aussi d'être ici avec une partie donc de l'équipe qui va m'accompagner aussi à Paris. Yann Brossa qui déjà s'occupait du logement à mes côtés dans la mandature précédente et qui va poursuivre ce travail. Et oui, on va continuer à rénover et à construire aussi du logement à des prix abordables, d'innovo, puisque Christophe Najowski, c'est lui qui avait porté aussi à mes côtés pendant toute la mandature précédente le plan vélo. Autant vous dire que ça a marché, parce que vraiment, c'est vrai, les Parisiennes, les Parisiens se sont mis au vélo, moi aussi d'ailleurs, et arrivent. Alors je me permets de vous dire que je... Oui, mais j'en profite parce que là, je suis presque plus grande que lui, même pas, même pas. Bon, et c'est bien sûr Antoine Guillot qui me rejoint comme adjoint chargé des ressources humaines. Vous le verrez peut-être moins dans la vie quotidienne parce qu'en fait, il va s'occuper des moyens, des personnels, de l'administration, de la grande réforme de l'administration qu'on va faire. Et je veux vraiment le remercier de venir avec moi.